Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre mi-journée. On revient tout d'abord sur la grande manifestation à l'appel des syndicats CFDT, Santé, Sociaux et Interco. 300 personnes, selon les organisateurs, ont battu le pavillonnet hier contre le Ségur de la Santé, jugé insuffisant. Les manifestants dénoncent, je cite, « les invisibles de ce plan », à savoir les personnels du secteur privé et également les professionnels travaillant ou accompagnant le public âgé, à terme de réelles inégalités risquent de se créer. Il y a vraiment des établissements où les personnes sont obligées de faire les remplacements. Comme ils n'arrivent pas à recruter des salariés, et ben ils font de l'auto-remplacement. Donc ils sont obligés de faire des heures en plus. Et donc il y a une grande fatigue. Et puis, une grande fatigue et un manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus. Alors, il y a une première étape, hein, les métiers qui vont être augmentés, là, du coup, eux, ils se sentent, mais les autres ne comprennent pas. On va avoir dans certains établissements où, par exemple, il va y avoir des éducateurs spécialisés. Eux, ils ne vont pas être concernés par cette augmentation. Et notez que la CFDT annonce déjà une seconde manifestation pour mettre en lumière d'autres invisibles. Parmi eux, les personnels travaillant auprès des enfants, comme les crèches, les PMI ou encore l'aide sociale à l'enfance. Un peu de culture à présent, avec un événement en pleine préparation à Mouilleron-le-Captif. Le Vent d'Espace accueille samedi le concert de Noël du trompettiste Ibrahim Mahalouf. Il y a un récital qui devrait faire date dans le département, puisque l'artiste va se produire accompagné de 150 jeunes musiciens. Tous sont issus de maîtrises, dont celle de l'Institut musical de Vendée. Pierre Dalicieux a pu assister aux dernières répétitions. On va chanter. C'est parti. Une journée de répétition pour un concert que ces 150 jeunes ont tous hâte de donner. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que Ibrahim Mahalouf, le célèbre trompettiste, les invite sur scène avec lui. Trois maîtrises de l'ouest de la France, dont une de Vendée. C'est un artiste connu et du coup, bah, je trouve ça super qu'on puisse chanter avec quelqu'un de connu et comme ça, ça nous booste. J'avais entendu quelques-unes de ses musiques, mais non, c'est assez chouette en fait, parce que c'est différent, on connaît pas et ça nous change de ce qu'on fait d'habitude. C'est très bien parce que bah, on va chanter avec une star. Bah, il est gentil, il est sympa, puis il est très attentif. Un concert que ces jeunes préparent depuis plusieurs semaines et qu'ils donneront devant 2500 personnes. Ce qui ne sera pas une première pour eux, les chefs de chœur sont confiants et ravis d'avoir été choisis et invités par le trompettiste. Ouais, ça se passe très très bien, les enfants sont hyper contents, Ibrahim est très abordable, on a vécu un super moment avant la répétition où il a répondu à toutes les questions des enfants. Donc vraiment vraiment super, super abordable et très très, très sympa. On est vraiment très contents d'être ici. Je pense que c'est une occasion assez unique de jouer avec des musiciens professionnels comme eux et de pouvoir participer à ce concert-là. Ibrahim Mahalouf qui apprécie particulièrement de partager la scène avec des chœurs, une collaboration qui suscite à chaque fois beaucoup d'intérêt de la part des jeunes. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité de faire ce genre de création, ce genre de concert avec pas mal de jeunes, des orchestres, des jeunes, des chœurs, etc., à chaque fois, il y a toujours quelques jeunes qui viennent me voir après et qui me disent « Ah, merci beaucoup, ça restera un super souvenir, nous aussi on aimerait faire de la musique plus tard et ça nous a donné encore plus envie ou ça nous a motivés, etc. » Donc si ça peut enfin, générer en tout cas des vocations, en tout cas encourager des vocations, je pense que ce serait vraiment magique. Le concert, c'est donc ce samedi 4 décembre au Vent d'Espace, un concert complet. Mais pas d'inquiétude, Ibrahim Mahalouf a déjà invité une nouvelle fois les trois maîtrises, mais cette fois-ci sur la scène de l'Accor Hotel Arena le 20 décembre prochain. Et dans le reste de l'actualité, nous vous parlons souvent de ces campagnes qui fleurissent un peu partout en Vendée pour planter des arbres. Le plan du département, par exemple, pour en planter 1,1 million en 3 ans. La Courtaisière, il y a peu, ou encore cette opération de troc-plante la semaine dernière à Challans. Et bien hier, ce sont les écoliers Sablais qui ont retroussé leurs manches. D'ici le 10 décembre, 1000 arbres et arbustes fruitiers seront plantés sur le site de la Gillerie au Sable d'Olonne. TV Vendée s'est rendu sur place. Planter 1000 arbres fruitiers, c'est la mission que la ville des Sables d'Olonne a confiée à ses écoles. Tout un programme de sensibilisation sur l'environnement a été mené en classe avant cette journée plantation que les enfants attendaient avec impatience. Ça sert à protéger la nature et ça sert aussi pour nous, pour montrer à notre famille, montrer à des copains. Je trouve ça bien qu'on plante des arbres. Pourquoi ? Parce que ça sert à la biodiversité. Je trouve ça
que c'est bien de faire une action pour la planète. Bah ça sauve les, ça fait d'autres arbres pour la planète. Une plantation d'arbres fruitiers, pommiers, figuiers, pruniers. Ici, dans quelques années, chacun pourra venir cueillir les fruits de ce verger ouvert à tous. Et une chose est sûre, il y en aura pour tout le monde. Tout ce site-là, qui fait un peu moins de 3 hectares, va être planté. Donc on va planter plus de 1000 arbres ici, dont 500 avec les enfants. Puis on va compléter avec des haies. Il y aura également des haies avec des petits fruits, etc. Donc pour que le site soit fonctionnel au niveau environnemental. Et puis donc on est, voilà, comme je disais, sur pas loin de 3 hectares. Donc ça fait quand même beaucoup de végétaux. Une plantation de 1000 arbres qui intervient dans un projet beaucoup plus important de la ville des Sables d'Olonne. Le plan forêt climat 2050 et la plantation d'un million d'arbres. Objectif, créer d'ici 30 ans une zone verte protectrice qui représentera 20% du territoire sablé. La plantation de cette forêt comestible en ville par les enfants des écoles est une des actions du plan forêt climat 2050 qui va venir s'installer autour de la ville des Sables d'Olonne, autour et à l'intérieur de la ville des Sables d'Olonne, afin d'offrir un écrin de nature préservée dans et autour de la ville. Au total, c'est 1600 hectares le plan forêt climat 2050. Et là, ce sont quelques hectares avec un millier d'arbres qui vont être plantés par les enfants des écoles des Sables. Des enfants qui devront attendre un peu avant de récolter les premiers fruits qui ne devraient pas sortir avant 2 ou 3 ans. Les festivités de Noël approchent à grands pas. C'est le cas par exemple à Tiffauges où le marché de Noël a lieu ce week-end, mais aussi le week-end prochain dans le cadre exceptionnel de son château. Beaucoup d'animations sont donc prévues et notamment de nouveautés puisque cette année le marché fête ses 25 ans et on va pouvoir célébrer cet anniversaire grâce à ces nouveautés. Une première nouveauté, c'est juste derrière nous, c'est sur le grand mur de la façade nord du château, où on va permettre aux spectateurs, à tous nos visiteurs, de voir un grand mapping. Vous savez, ces grandes vidéos qui se déploient sur nos édifices, un beau conte de Noël sur le thème de le pays d'où naissent les étoiles. Et donc ça, c'est une grande nouveauté. Et puis la deuxième nouveauté principale, c'est bien sûr le carillon, le grand carillon de Tiffauges. Ça fait 25 ans que on fond une cloche tous les ans pour aboutir à ce fameux carillon. Et donc, ce carillon, on va pouvoir l'entendre sonner. On va pouvoir entendre un artiste jouer du carillon. Et ça, on l'aura pendant les 2 week-ends du marché de Noël. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous sur l'actualité, c'est 18h ce soir. Bonne journée sur TV Vendée.